Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer les maladies des vaisseaux du foie. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir M. Coutin, qui est président de l'AMVF, l'Association des malades des vaisseaux du foie. Monsieur Coutin, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Coutin, avant d'être président de l'AMVF, vous êtes également un patient qui est touché par une maladie des vaisseaux du foie. Ma première question est très simple. Comment est survenue votre maladie ? Alors, ma maladie est intervenue il y a de ça 20 ans, alors que je commençais ma première année en tant que professionnel. Et c'est la médecine du travail, au cours de la consultation annuelle obligatoire à l'époque, qui a trouvé que j'avais une rate un petit peu trop volumineuse. Et donc, ça a déclenché tout le parcours que j'ai pu connaître par la suite. Mais c'est la médecine du travail qui a, non pas diagnostiqué, mais qui a identifié un problème. Très bien. Et à ce moment-là, quelles sont les hypothèses qui ont été évoquées lors de l'apparition de ces premiers symptômes, finalement ? Alors, j'ai été dirigé par un membre de ma famille vers l'hôpital d'Argenteuil, qui a, dans un premier temps, diagnostiqué une hépatite B ou C. Et à la suite des premiers résultats, ils ont découvert que c'était pas ça. Et ils m'ont dirigé vers l'hôpital Beaujon, qui est encore centre de référence des maladies vasculaires du foie. Donc j'ai été pris en main par le centre de référence assez rapidement, en quelques semaines, en maximum 2 mois. 2 mois, j'ai été pris en main par les bonnes personnes. Très bien, donc finalement un temps d'attente, on va dire, relativement court. Néanmoins, comment s'est passée cette période ? Très stressante parce que c'est ma deuxième maladie rare. Ma première n'a aucun rapport avec le foie, c'était une maladie neuromusculaire où je m'en étais sorti et 10 ans après, on me découvre une deuxième maladie rare. Donc là, c'était dur. Mais ça n'a pas duré très longtemps parce que j'ai senti que j'allais être pris en main par les bonnes personnes. Mon premier diagnostic, qui est toujours le bon, c'était une hypertension portale. Et 9 ans après, au cours d'une échographie abdominale, on a découvert qu'il y avait des petits soucis au niveau du foie, donc un risque de coagulation. Et l'hôpital Beaujon, toujours, a diagnostiqué une thrombose portale. Là, à ce moment-là, j'ai changé de médecin, mais toujours à l'hôpital Beaujon. Donc finalement, c'est le centre expert qui vous a diagnostiqué et suivi tout au long de ces années. Tout à fait. Alors aujourd'hui, M. Coutin, vous êtes président de l'AMVF, l'Association des malades des vaisseaux du foie. Qu'est-ce qui vous a amené à effectuer cette démarche ? Dès le départ, mon médecin hospitalier m'a dirigé vers l'association. J'ai été très bien accueilli, ça m'a rassuré. Et on m'a demandé assez rapidement de participer à un groupe de travail concernant l'annonce du diagnostic, parce que l'association trouvait que c'était un choc lorsque le médecin, sans que ce soit une critique, n'était pas préparé pour annoncer correctement une maladie rare, parce que quand on entend une maladie rare, ça peut être difficilement vécu par le patient. Donc on a mis en place ce groupe de travail. Donc je suis devenu bénévole et au fur et à mesure, je suis devenu membre associé. Et à un moment donné, la présidente en poste voulait quitter la présidence et j'ai accepté de la remplacer, mais secondée par elle. Très bien. Et en termes d'objectifs, quels sont les objectifs principaux de l'association ? L'association a plusieurs objectifs. Le premier, c'est le soutien vis-à-vis des patients. C'est-à-dire qu'après une annonce du diagnostic, les médecins dirigent, s'ils le souhaitent, les patients vers l'association. Et là, sans vouloir remplacer les médecins, on parle de l'avis que les malades ont et le fait surtout qu'on peut vivre avec la maladie. Donc voilà, c'est le soutien. L'existence de l'association permet aussi à l'hôpital Beaujon d'être centre de référence et ainsi que les autres hôpitaux dans toute la France d'être centre de compétences. L'autre objectif, c'est le soutien financier. On a fait un don dernièrement de 20 000 euros pour la recherche médicale. Voilà, donc le soutien,
aux patients le soutien financier et le soutien, je dirais, administratif vis-à-vis des hôpitaux. C'est très clair. Alors, Monsieur Coutin, on arrive déjà à la fin de notre entretien. Quel est le message que vous souhaiteriez faire passer à nos auditeurs au nom de l'association ? Mon premier message serait destiné aux médecins généralistes qui, dès qu'ils sentent qu'il y a un patient qui peut être atteint d'une maladie vasculaire du foie, c'est de le diriger vers le centre de compétence le plus proche du patient. Afin de raccourcir au mieux l'errance thérapeutique, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un malade qui ne sait pas ce qu'il a. Donc, c'est mon premier message aux médecins généralistes. Et mon deuxième message serait destiné aux patients ou à leurs proches, famille ou amis, femmes et époux, c'est de leur dire on vit avec la maladie. Si on suit correctement le traitement qui est donné par les médecins, on vit avec la maladie. Alors on peut être fatigué parfois, mais voilà, on vit correctement avec nos pathologies. Donc c'est un message d'espoir. Tout à fait. Eh bien, merci infiniment, Monsieur Coutin, pour votre témoignage qui nous a permis de mieux connaître les maladies des vaisseaux du foie et la MVF, l'association que vous présidez. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre compte Instagram, Rare à l'écoute, ou sur notre site internet www.rarealécoute.com, où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur notre chaîne pour évoquer une nouvelle maladie rare. À très vite.